Je vais dire un mot juste sur Utopia. Oui, moi je suis venue pour représenter le mouvement Utopia qui est à l'origine de la création de l'OCU, qui est l'Organisation de citoyenneté universelle, qui a créé le passeport de citoyenneté universelle dont on va parler là, un instant. Donc, une petite anecdote quand même, c'est toujours assez agréable. C'est en 2011, au Forum social mondial de Dakar, que l'idée est venue au mouvement Utopia de créer ce passeport universel. Et après, on a travaillé avec Emmaüs International, France Liberté, et le CCFD s'est joint à nous par la suite, je ne sais plus exactement les détails. Et ce qui est assez amusant, c'est que lors du Forum social mondial, on avait une table pour Utopia avec le projet de passeport de citoyenneté universelle. On avait une grande banderole pour l'annoncer. Et puis les jeunes étudiants qui étaient là, ils croyaient, ils voulaient tous avoir un passeport de citoyenneté universelle. Et ils n'avaient pas compris que c'était symbolique. Ils croyaient au départ. Ah, c'est symbolique. Voilà. Donc c'est une petite anecdote qui me reste en mémoire. Et le mouvement Utopia continue à travailler avec ses partenaires. On a décerné, je n'ai pas vérifié, une soixantaine de passeports de citoyenneté universelle à des personnalités qui l'on considère méritantes, comme toi. Merci. Et depuis sa création, l'OCU donc, a développé ce passeport de citoyenneté universelle. Il a travaillé également à la constitution d'une alliance entre société civile et autorités locales pour une politique alternative pour les migrants, auprès des migrants et sur l'immigration. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu le plaisir de rencontrer Halima Manouch, qui est ici, qui a joint au maire à la mairie de Montreuil. Voilà. Je dirai un mot après. Voilà. C'est en cadre de cette alliance qu'on s'est rencontrés. On est donc très heureux aujourd'hui de se réunir. Alors, bien, le contexte n'est pas aussi positif, mais notre alliance et notre présence, je pense, dégage quelque chose de positif. Et donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de représenter l'OCU, Madame Selec, association qui œuvre depuis plus de 10 ans pour promouvoir la citoyenneté universelle et défendre la liberté de circulation et d'installation. Si nous sommes réunis autour de vous aujourd'hui, c'est pour vous exprimer notre soutien et témoigner de notre entière solidarité avec vos combats. Car si vous subissez aujourd'hui cette terrible répression judiciaire depuis plus de 25 ans, c'est pour avoir, selon les mots de la journaliste Ece Demirkuran, osé franchir des frontières entre des peuples dressés les uns contre les autres, afin de rassembler des récits de paix. C'est ce que vous avez fait dans les rues d'Istanbul auprès des personnes sans domicile ou victimes de discrimination, puis en fondant avec d'autres en 2001 l'association Amarti pour lutter contre les violences faites aux femmes. Vous vous êtes également engagé sur la cause des personnes migrantes en co-animant l'Observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes. Votre vie entière et votre carrière témoignent de cette volonté de dépasser des frontières qui s'installent dans nos esprits et dans nos sociétés, pour séparer, diviser, mettre à l'écart, discriminer et finalement repousser certaines personnes, jugées indignes par d'autres, de partager la même rue, le même pays, la même terre. Ce combat, votre combat pour un monde de justice et de paix est aussi le nôtre. De la même façon, les atteintes portées à vos droits fondamentaux nous touchent directement. Car nous devons rappeler ici, encore et toujours, que les êtres humains ont des droits universels et inaliénables qui obligent les États. En violant vos droits à la liberté d'opinion, à la liberté de recherche et à la protection contre les procédures judiciaires injustes et inéquitables, l'État turc viole les droits internationaux. Ces droits sont malheureusement de plus en plus déconsidérés et oublié par de nombreux États, à commencer par la France, lorsqu'elle tolère et encourage les violations des droits de l'homme aux frontières de l'Europe, ou lorsqu'elle participe directement à cette stratégie de refoulement de toutes celles et ceux qu'elle estime indignes d'exercer leur droit fondamental à quitter leur pays et à vivre librement sur cette terre que nous avons pourtant reçue en partage. Votre parcours, madame, est un exemple admirable de citoyenneté universelle. C'est donc avec respect et une profonde estime que je vous remets aujourd'hui, au nom de l'OCU, votre passeport de citoyenneté universelle.
quelques mots en soutien à vous, à toi, Madame Célette. Quand IMAUS International m'a contactée pour être aujourd'hui à tes côtés, j'ai évidemment dit oui. Je me suis déjà prêtée à l'exercice à Lisbonne pour Mimo Lucano, maire de Riace, qui a été dévoué de ses fonctions et qui fait l'objet de poursuites judiciaires parce qu'humaniste, parce qu'il a fait le choix d'accueillir des migrants dans sa ville. Je suis adjointe à Montreuil, je ne suis pas seulement adjointe, je suis une femme engagée, engagée depuis très longtemps, d'abord pour ma famille, pour mes proches, et puis ensuite ça s'est traduit en politique. Et j'ai soutenu aussi une femme kurde de Turquie, qui était commère à Bissin, qui a été démise de ses fonctions, qui a été pourchassée pendant 2 ans par la justice, la police turque, qui est arrivée il y a un peu plus d'un an maintenant en France. Et j'ai fait partie de cette bataille pour qu'elle puisse sortir d'un camp de réfugiés en Grèce et qu'elle obtienne ici l'asile. Et elle vit à Montreuil. Et à travers tous ces combats, c'est pas seulement un soutien que j'apporte, et c'est pas seulement parce que je comprends la situation, mais je la ressens au plus profond de moi, de mes combats. Et donc je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui, très fière d'être à tes côtés. Je combats contre les expulsions, puisque je ne suis pas là pour parler de moi, mais un certain nombre de ma famille a été aussi enfermée en zone d'attente. Je suis d'origine algérienne, et certains ont été pris par les pieds, les mains, et retournés de façon très humiliante et violente. Et donc le combat continue, il y en a beaucoup, il y en a pour toi, il y en a pour tout le monde, pour les femmes, les hommes qui veulent vivre en paix, dans la dignité, dans le respect. Et donc force à nous, force à vous, et puis bravo pour tous tes combats. Déjà, c'est un grand honneur de prendre ce passeport universel, de citoyenneté universelle, qui a une histoire très importante et qui vient de tous les combats que je fais partie, mais particulièrement aussi de prendre, que c'est Halima qui m'a, c'est une camarade pour moi, c'est pas une femme, c'est pas une politicienne, elle est une femme politique, elle est une militante. C'est notre copine, c'est notre amie. Et pour moi, c'est très important parce que je sens qu'il y a des histoires qui se croisent. Il y a des histoires qui viennent d'Argentine, d'Iran, de Kurdistan, d'Arménie. Et aujourd'hui, la catastrophe qu'on est en train de témoigner en hashtag en Haute-Karabakh. Donc tout ça nous donne plus de... Plus de douleur, j'allais vous dire, j'ai envie de vous dire plus de douleur. Et après, dire que comment je veux vivre en tant que juste dans cette terre. Quand il y avait le nazisme, quand il y avait toutes les catastrophes, il y avait des justes. Et quand on les lit, ça nous donne une petite chaud au cœur. Et maintenant, il faut multiplier les justes. Et surtout en France, je suis très engagée auprès des exilés et je lutte à Nice parce que je vis à Nice à côté de la frontière. Je ne suis pas seulement coordinatrice de l'Observatoire des migrations, je suis assise dans tous les réseaux de solidarité avec les exilés parce que je sais que la mise en place de la criminalisation de la migration en Europe crée une classe sociale sans papier. Un nouveau type d'esclavage qui sert comme médicament au capitalisme néolibéral parce qu'il y a un nouveau type d'esclavage et ce qu'on dit, nous, une sorte de déterritorialisation sur place. Donc le coût de travail, ça devient rien. Et donc on fait travailler les esclaves. Donc il faut être juste aussi sur cette question. Mais aussi sur les guerres, donc c'est assez difficile d'être
d'être sensible à la fois pour plusieurs causes. Moi, j'essaie de m'investir à des causes que je connais bien. Par exemple, je suis à Nice, je suis plein concernée sur la question. Je ne peux pas tout faire sur l'Arménie, sur la question de Turquie, de Kurdes ou des LGBT, anti-militarisme. J'ai encore quelques-unes qui sont contre des projets inutiles à imposer, etc. Mais les autres, j'ouvre juste mes portes, je les suis, je les soutiens. Donc je ne ferme pas les portes. Je ne peux pas m'enfermer juste dans quelques luttes parce que tout est lié. Voilà, j'essaie de trouver cette solution. Et je dis que aujourd'hui, il y a des amis qui prennent ma charge mentale parce que je n'avais pas trouvé le mot pour écrire une communiqué qui m'a diffusé aujourd'hui. Il y a des amis qui travaillent là. Et on est un grand corps collectif. Et nous sommes des fourmis enzymes, comme j'écris dans mon roman, qui créent des canaux souterrains. Et ces canaux, des galeries souterraines, et ces galeries vont se rencontrer. Nous sommes en train de créer une sorte de mondialisation par le bas. On crée des mondes transnationaux entre nous, et c'est nous qui écrivons l'histoire. Donc eux, ils ont leur histoire, ils veulent qu'on joue dans le film, mais nous, on continue. Hier, je finis avec ça, c'était la copine iranienne qui avait dit, c'est comme le feu qui se propage. Donc même si ils veulent nous faire fatiguer en reportant les procès, etc., mais le feu, ils ne peuvent pas empêcher le feu persiste et se propage. C'est pas seulement ça. Et peut-être dans très peu de temps, on va voir que il y a un grand feu, mais c'est pas un feu qui fait mal, qui brûle. C'est le feu de la vie. Voilà, nous représentons la vie et ils sont ennemis de la vie. Ils sont ennemis de la vie et nous voulons, voilà, vous avez tout compris. Merci et je suis très contente. Étaient venus en France, ils avaient un passeport Nissan apatride, sans retour possible. Et moi, je dédie ce passeport universel à tous les Arméniens aujourd'hui qui ont pris le chemin de Karabakh vers l'Arménie, on ne sait pas où après. Et je ne sais pas s'il y a un retour possible pour eux. Mais moi, je n'ai pas besoin de retour, parce que je ne veux pas de retour. Je regarde loin, et je regarde ici, et là où je suis, nous pouvons construire notre monde. Voilà. Bravo.